On va faire donc un petit cas pratique qui s'appelle l'échiquier. Je fais un bouton droite sur mon bureau, je vais dans Nouveau, nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel. Vous pouvez passer aussi par le logiciel pour créer votre nouveau fichier qui va s'appeler donc l'échiquier. Un échiquier, ça ressemble grosso modo à ça. Vous connaissez, hein, je pense. Peut-être vous avez donc 8 cases d'un côté, ça alterne blanc et noir. Les cases, c'est des carrés, il y en a 8 en longueur, 8 en hauteur, c'est un carré en fait. Hein, donc voilà un échiquier que vous connaissez sans doute. Je reviens sur mon bureau, je réduis la fenêtre. Et je double-clique sur mon petit fichier Excel qui s'appelle l'échiquier. Là, ça ne va pas du tout. Mon échiquier, il a des cases qui sont rectangulaires. Pour rappel, donc, alors regardez bien, là, j'ai besoin de 8 colonnes. Donc si je me positionne sur la lettre A, bouton gauche, je laisse appuyer. Si je laisse appuyer jusqu'à H, on voit bien, hein, il me dit, voilà, tu as sélectionné là 1 048 576 000 lignes. C'est le maximum de lignes qu'on a sur Excel. Et une colonne, fois 1C, c'est-à-dire fois une colonne. Deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, cinq colonnes, six colonnes, sept colonnes, huit colonnes. Ça y est, j'ai mes 8 colonnes qui seront nécessaires pour faire mon échiquier. Si je modifie, une fois que j'ai sélectionné mes 8 colonnes, si je modifie la taille d'une de ces colonnes, toutes les colonnes vont avoir la même taille. Elles vont toutes avoir la même taille. D'ailleurs, il me dit, là, ça fait 14, 13 pixels, 12,91, 148 pixels. Donc, il me donne la valeur en pixels. Sur OpenOffice, c'est pas mal. Il donne la valeur en centimètres, ce qui permet d'être un petit peu plus précis, puisqu'il le donne aussi en centimètres pour les lignes, ce que ne fait pas Excel à ma connaissance. Donc voilà, soit on peut faire comme ça, ou soit si on veut être un peu plus précis aussi, on peut se mettre en marge, là, dans les lignes, bouton droite, largeur de colonne, et lui dire, bah tiens, j'aimerais 12 en largeur de colonne. Je clique sur OK, là il va me faire exactement la largeur que je souhaite. Alors, petite parenthèse, c'est une erreur que je vois assez souvent. Si vous avez des lignes aussi qui sont masquées ou des colonnes qui sont masquées, si, alors, je vais faire l'exemple pour les colonnes, je le referai pour les lignes après. Si par malencontreusement, tu vois, j'ai diminué la largeur, j'ai hyper diminué la largeur de mes colonnes et je passe de C jusqu'à G. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est jamais très bon dans un tableau. Bon, sauf pour donner un effet de style, mais je suis pas très partisan de ce type de choses. Ce que je fais, c'est que je vais sélectionner deux colonnes qui entourent cette disparition-là. Je me mets entre les deux, alors peu importe, ici, 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 peu importe. Et j'augmente un tout petit peu, là, et hop, tout le monde devrait réapparaître. OK? Donc c'est pareil pour les lignes, hein. Ce qu'on vient de faire pour les colonnes, c'est vrai pour les lignes aussi. Pour sélectionner une ligne entière, je me mets donc sur le chiffre, bouton gauche, je laisse appuyer. Et je sélectionne. Donc voilà, si je réduisais totalement la taille des lignes, on passerait directement à la ligne 9. Ça, c'est pas bon. Alors là, dans ces cas-là, pour solutionner le problème aussi, ce qu'on peut faire, vous voyez le petit bouton qui est juste ici là? On clique dessus et là, on sélectionne toute la feuille. Là, si je modifie la taille d'une ligne, bah, évidemment, toutes les lignes de ma feuille de calcul vont être modifiés. Voilà une petite astuce, hein, qu'on a malencontreusement masqué des lignes. Alors, c'est le même principe, les lignes et les colonnes. Je sélectionne les lignes. Soit je fais bouton droite, hauteur de ligne, et je vais essayer de trouver la valeur pour avoir un truc à peu près carré. Ou effectivement, en bougeant les lignes, là, je vais essayer de faire un petit peu à l'œil comme ça pour avoir quelque chose qui ressemble à un carré. Alors je vais tout doucement. Voilà, ça y est, j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à un carré. Voilà. Parfait. On pourrait être un peu plus précis sur OpenOffice. On a des valeurs en hauteur de ligne qui correspondent véritablement à des centimètres, pas à une valeur un petit peu étrange là, comme dans Excel. Bon, c'est pas des pixels. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est une cote Excel. Bref.
Ok, donc là on se retrouve avec des carrés, des choses qui ressemblent à des carrés, parfait. En dézoomant un petit peu, voilà, on a une vue qui est adaptée à l'ensemble de son échiquier, voilà, de A1 jusqu'à H8. A1 jusqu'à H8. Alors, on l'a vu dans le chapitre sur l'incrémentation. Je vous invite à reconsulter la vidéo si toutefois vous ne l'avez pas vue. On peut incrémenter des séries également, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Des dates et des couleurs également. Un échiquier, c'est très facile, hein. C'est une série blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Donc si je mets un blanc ici, un noir ici, je sélectionne les deux premiers. Si j'incrémente vers la droite jusqu'à H, oups, il se passe rien. Oh. Ouais, ça marche du haut vers le bas, mais pas de. Pas, ouais, les couleurs, ça marche du haut vers le bas, mais pas de droite vers la gauche, apparemment. On va essayer du haut vers le bas, comme ça. Hop. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Bon, ça marche comme ça. Un noir. Un blanc, un noir. Donc, je fais un blanc, un noir. Je sélectionne mes deux cellules, ma série, blanc, noir, blanc, noir. J'ai sélectionné les deux cellules. Je me mets en bas à droite pour incrémenter. Bouton gauche. Et non, et je descends vers le bas. Alors, on pourrait le refaire en hauteur, faire des mix. On peut simplement faire un petit carré comme ça. Et normalement, juste avec ce petit carré-là, si je prends ma série de 4, donc de A1 jusqu'à B2, je rappelle, hein, pour sélectionner une cellule, je me mets bien au centre. Bouton gauche, je laisse appuyer si je veux en sélectionner plusieurs. Et je me déplace. Voilà, pour sélectionner mes éléments. Là, je peux partir sur la droite jusqu'en H. Et je pourrais, si je voulais finir tout mon tableau en une fois, je pourrais partir également vers le bas. Là, j'ai fini mon échiquier en deux coups de cuillère à peu près. Je remonte. J'ai tout effacé. Je vais refaire. Donc, je mets mes couleurs comme ça. Si je fais un petit carré comme ça, je vous montre la solution rapide. Si je fais un carré comme ça, là, je peux partir vers le bas. Ensuite, je peux partir vers la droite. Voilà. Ou alors, hein, sinon, au début, vous pouvez faire des premières séries. Donc là, une série noir-blanc, ça c'est une série. Donc là, j'incrémente vers le bas. Et voilà, donc là, il faut du noir après. Donc là, j'ai une série, donc je peux partir vers la droite. Là, j'ai une série, je peux partir vers la droite. Voilà. Là, j'ai une série, je peux partir vers la droite, etc. etc. Voilà. Vous le faites. Peu importe, mais l'objectif c'est de bien, voilà, c'était de maîtriser et la largeur des colonnes et la largeur des lignes et cette petite, voilà, un petit rappel sur l'incrémentation. Exactement.